Et un café marc pour la petite. Qu'est-ce que c'est que ça? Un robinet. Tu vois pas, non? Tu vois pas que c'est un don? Un don? Bah oui, un cadeau, quoi. Il s'appelle Bonsoir. Il est chien. Et d'où qui sort? Un demi-veuf. J'ai promis de le garder. Non, mais tu rigoles? Oh, j'ai donné ma parole. Ma parole de femme, la vraie, pas du doublé. Oui, bah tu vas me faire le plaisir de foutre ce chien dehors. Des clous! De quoi? Des clous! Monsieur Albert, oh, lui, quel gentleman. Il est pas chouette? C'est un caniche? Je dis pas le contraire. C'est un chien d'aveugle. Ah! Quoi? Ah! C'est pas déshonorant? Mais l'hôtel, est-ce que tu crois qu'à l'hôtel, ils vont accepter ce client-là? Si encore c'était un hôtel à Rupin. Mais c'est pas un hôtel à Rupin. Eh ben, si Rouspette, on changera de case. Oh, est-ce que j'ai une tête à faire ma valise dans la nuit pour un Clef Samiro? Eh ben, et moi, est-ce que j'ai une tête à pas avoir de tête? J'ai dit. Tu vois pas que c'est un pauvre chien qui est de la cloche, non? Un tocard, sans race. Ben, s'il en a plus, il en a eu de la race. C'est un chien ruiné. Apprends-le. N'insiste pas, Millier. N'insiste pas, je me sens devenir nerveux. Eh ben, prends ta température. Et après, je vais te klaxonner au premier tournant. Méfie-toi, Millier. Tu vas louper le virage. Millier. Ah, tiens, veux-tu que je te dise? Tu vaux pas un jambon. Pas un jambon? Pas un jambon. Malheur, écoute, je suis pas un homme à scandale, hein, mais à la maison, t'auras ton avoine. Ben oui, quand t'auras tout cassé, t'iras de peine à la caisse, hein. Oh. Allez, toi, le Klebs, par ici, la bonne soupe, hein? Des coups, reste ici, bonsoir. Mais pour rien, faut qu'on fait pour les chiens. Pour qu'on le pique, t'as pas d'orgueil. Pas d'orgueil? Moi, pas d'orgueil? Un homme qui a toujours refusé de travailler? Non, un homme qui accepte que sa femme ait pas de parole, c'est un type qui a pas d'orgueil. C'est un cocard, sans race. Mais allez, assez causé. Tu te têtes à tort. Quoi? Tu te têtes à tort, t'entraves plus le français? Oh, non, mais monsieur Albert, vous entendez ça? Ça va, je vais rendre le Klebs au veuf. Mais tu sais pas ce que tu perds, Zanzi. Non, tu le sais pas. Et tâche de revenir avant le close-up. Sans ça, t'auras des ennuis. T'as fini de pas me respecter, oui? Allez, débine! Minute, mon express. Alors, il est en panne? Comment ça se fait? Eh ben, il est comme moi. Tu l'as trop fait marcher, il en a marre. Tiens, sucre. Et puis fais pas attention, c'est un gars qui a toujours raté la correspondance. Qu'est-ce que ça veut dire, votre chansonnette? Que le métro, il te passe devant le nez.